du parquet général près la cour d'appel de Conakry, à monsieur le procureur de la République près les tribunaux de première instance de Dixine, Mafanko, Kaloum, Dubreka et Koya. Objet: instruction aux fins de poursuite judiciaire contre les organisateurs et les participants à la manifestation interdite du 28 juillet 2022 pour des faits présumés de manifestations illicites, de destruction d'édifices publics et de biens privés, de provocation à un attroupement, de coups et blessures volontaires, d'association de malfaiteurs, d'entrave à la liberté de circulation et de complicité. À référence du communiqué numéro 966 barre PG barre CA barre C 2022, en date du 26 juillet 2022, du parquet général près la cour d'appel de Conakry, enjoignant les procureurs de la République près les tribunaux de première instance de Kaloum, Mafanko, Dixine, Dubreka et Koya, qu'en cas de constatation des troubles à l'ordre public et des faits répréhensibles, d'engager sans délai des poursuites judiciaires contre les organisateurs de la manifestation interdite et autres auteurs des infractions susvisées. En dépit du rappel à se conformer aux prescriptions légales faites aux organisateurs de la manifestation, il a été porté à la connaissance du parquet général près la cour d'appel de Conakry par les unités de service du maintien d'ordre qu'au cours de la journée du 28 juillet 2022, des rassemblements des individus surexcités, munis des armes contondantes, ont, dans certains endroits de la ville de Conakry, notamment sur l'axe de la route Le Prince, Carrefour Tannerie, Baylo-Baya, Keitaya, pris d'assaut les éléments des services de maintien d'ordre de la police et de la gendarmerie nationale, causant de nombreux blessés dans leur rang. Ces agissements ont causé des troubles à l'ordre public, entravant la libre circulation des citoyens, occasionnant ainsi la destruction de la brigade de gendarmerie de Bambeto et des véhicules de police et de la gendarmerie nationale. Ces faits répréhensibles ont été commis à la suite des appels à manifester du Front national de la défense de la Constitution, FNDC, dont les membres sont connus et identifiés. Le parquet général, dans son rôle régalien de coordonnateur de l'action des procureurs de la République, du ressort de la cour d'appel de Conakry, conformant aux dispositions des articles 41, 42, 43 et suivants du Code de procédure pénale, instruit aux procureurs de la République des tribunaux de première instance de Kaloum, de Mafanko, de Dixine, de Dubreka et de Koya de diligenter sans délai des poursuites judiciaires contre les organisateurs de la manifestation interdite, en saisissant les unités de police judiciaire de leur ressort, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le parquet général attache du prix à l'exécution des présentes instructions dans l'intérêt de la loi et de la préservation de la quiétude sociale en République de Guinée. Conakry, le 28 juillet 2022, le parquet général. Je vous remercie.